What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de Fallout 4 qui risque d'apparaître d'ici très peu de temps, enfin en tout cas être annoncé, puisqu'il normalement il devrait être annoncé pour l'E3 2015 qui va se produire le 16 au 18 juin 2015. Donc cette année là ça risque d'être assez intéressant. Moi personnellement donc j'ai joué donc à Fallout 3, un jeu assez particulier, je crois qu'il est dans la catégorie même RPG, donc un jeu qui risque de ne pas plaire forcément à tout le monde, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors en fait c'est des leaks vidéo gamer ont simplement leaké comme quoi Fallout 4, enfin ils étaient aussi en train d'aider à travailler, alors c'était à propos de Fallout 4, à propos d'un trailer, une sorte de cinématique qui devrait arriver, et bien pour ce fameux E3. Alors ça c'est la première petite information. La deuxième information, c'est il y a des rumeurs aussi sur Mirada Studio qui sont tout simplement en train de dire qu'ils travaillent avec Fallout 4 aussi à propos de ce fameux trailer, une sorte de assez gros cinématique qui devrait être présenté pour l'E3 2015. Donc ça c'est les deux petites informations qui ont été notées. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que Mirada Studio confirme qu'ils étaient en train de travailler pour ce fameux trailer depuis décembre 2014 jusqu'à mars 2015. Donc il y a très peu de temps, on peut le confirmer. Petite chose aussi supplémentaire, c'est qu'il y a aussi des rumeurs. Bien sûr, là on parle que de rumeurs malheureusement. Il n'y a pas de confirmation, mais attendez, je vais juste terminer par une super information. Donc normalement, alors ça reste une rumeur, qu'il y aura une sorte de gameplay, une sorte de présentation du jeu qui devrait durer entre 20 à 30 minutes à propos de Fallout 4. Ça se trouve, il ne va pas s'appeler comme ça, mais on pense tous qu'il va se nommer de cette façon-là. Donc à l'E3 cette année. Et la dernière information, c'est vraiment ça qui m'a, on va dire, mis qui m'a un peu confirmé en fait toutes ces petites informations, c'est que tout simplement sur le site, sur le profil en fait de l'E3, on peut remarquer qu'ils ont annoncé la présentation d'un jeu RPG qui devrait donc apparaître bien sûr, et que forcément on peut s'attendre à ce que ce soit Fallout 4, mais il n'y a aucune confirmation là-dedans. Je trouve ça assez étrange déjà qu'on a toutes ces petites informations là, et que finalement on a aussi sur le site de l'E3 comme quoi ils sont en train de dire on va vous présenter un jeu RPG. Forcément ils vont pas dire parce que c'est un peu la surprise, mais au niveau des médias et tout, on va dire que tout le monde se précipite sur Fallout 4. Après j'espère que ça sera ça, parce que sinon les gens ils seront assez déçus, les gens qui espéraient jouer un nouveau Fallout et finalement ils se retrouvent avec un autre RPG, ils vont être déçus forcément. La date de sortie de Fallout 3, je vais juste terminer avec ça, c'est en 2008, donc tout à fait possible à ce qu'on se retrouve avec un Fallout 4. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur ma page personnelle, puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.